Salut à vous tous, bienvenue sur CSinfo91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, logiciel Switch pour convertir des fichiers Switch, SWITCH. C'est un logiciel de conversion concernant les vidéos et les fichiers audio. Donc je vais vous en parler après le générique comme d'habitude, où là je vais vous faire une démonstration déjà pour... disons convertir à la base les fichiers simplement avec donc vos fichiers que vous avez envie de convertir pour X raison directement. Donc vous allez avoir une démonstration. Ensuite, on verra le logiciel à l'intérieur, juste en information. Je ne peux pas tout décrire, mais vous verrez que ça parle de partout, ce qui est très intéressant et qu'on peut vraiment y arriver en se penchant dessus à s'en servir. C'est ce que j'ai fait. Il n'est pas si compliqué que ça. Bon. Bien sûr, j'ai pas tout encore vu parce qu'il y a du monde dedans. Incroyablement, il y a du monde. Mais ça vaut le coup de l'avoir. Et moi qui possédais et me servais depuis des années de format Factory, j'ai renoncé. Tout simplement, c'est que jusqu'à version 4, je pouvais modifier, convertir, on va dire, 15 à 20 fichiers. Ça dépendait des fois. Hein, bon. Conversion à faire, de la longueur des fichiers, ça dépendait beaucoup de choses, c'était jamais pareil. Sur les versions, après ça s'est dégradé, et les dernières versions maintenant format Factory, chez moi, quand ça fonctionne bien, je dépasse pas 4 fichiers. Alors ça fait pas beaucoup, croyez-moi, quand vous avez vraiment plein de fichiers à faire, quand vous avez une trentaine de fichiers à convertir, c'est pas marrant à faire, hein. Faut les faire 4 par 4, ce qui m'amuse pas du tout. Deuxièmement, et très important, c'est que format Factory maintenant, il y a une partie d'installation qui est inaccessible pour nous à tes synthèses. Il faut vraiment naviguer de partout pour y arriver. Alors moi j'y arrive, hein. Bon, il n'y a pas de problème, avec beaucoup de mal. Je me reprends plusieurs reprises parfois. Et surtout, il vous installe des saloperies en plus dans votre PC. Et quand je dis des saloperies, c'est quand même des fichiers qui arrivent et qui sont vraiment mis en quarantaine, bloqués. Ils mettent en alerte mon Avast Security. Hein. Que moi j'ai Java sécurité payant, pas sécurité. Il y a des choses qui arrivent, il y a des malwares dedans, il y a des bêtises qui nous arrivent, qui rentrent dans la machine. Donc je cherchais la solution parce qu'à chaque fois que je l'installe, ça me pose problème. Me servant actuellement de mon Ultrabook parce que j'ai pas le choix, tant que je trouve quelqu'un qui vient à la maison me mettre le son sur Windows 10 de l'autre côté. Ben, j'ai dû remettre format Factory sur mon Ultrabook. Je suis pas du tout arrivé, ça m'a gonflé, je vous le dis franchement. Et on m'a parlé de Switch. Je l'ai installé et franchement pour moi c'est quelque chose qui est miraculeux, qui marche bien, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous en parler. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc je retrouve après le générique pour cela, mais en attendant, merci pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Avec Pascal, on est vraiment heureux que vous le fassiez. Merci de penser à le faire par contre, parce que ça nous motive tous les deux quand même pour faire cette vidéo. On essaye de varier les choses. Hein. Pascal est plus culturel que moi pour vous donner des vidéos différentes. Hein, sur la cuisine et tout ce qu'on veut. Il y a quand même des sujets différents qui intéressent certaines personnes, puis pas d'autres, c'est comme moi avec mes vidéos. Mais on essaye d'être varié et le principal, c'est que vous y preniez du plaisir à être sur la chaîne. Soit vous faire aider, soit bon avoir les choses. Et notez bien, je le redis à chaque fois, parce que souvent on m'écrit, mais nous sommes là uniquement pour informer. Il n'est pas question de faire des cours ou autre chose. Ça revient toutes les semaines, comme quand les vidéos sont pas complètes, qu'il n'y a pas tout, vous pouvez pas tout faire suite aux vidéos. Ben, c'est pas le but de l'opération, sinon les vidéos, on va faire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ou voire quand certaines 1 heure, on va arriver facilement à plusieurs heures d'enregistrement, et c'est pas notre but du tout. On est juste là pour informer, j'aimerais bien que ça soit compris, parce que on peut rien faire de plus, nous ne sommes pas des professionnels, n'oubliez pas, on fait ça. Moi personnellement, je le fais sur mon coin de bureau, l'enregistrement, hein, avec Moligno, vous voyez, ça va pas bien loin. Et puis ben, je vous fais ça avec plaisir, avec cœur, et Pascal fait pareil. Donc, merci de le comprendre. Hein, on est juste là pour informer. Puis après, quand vous avez écouté nos vidéos, si vous êtes intéressé, allez voir ailleurs. Hein, allez vous informer ailleurs, on ne sera pas vexé du tout. C'est normal, c'est fait pour de toute façon. Et en information, le restant ne nous concerne plus du tout. C'est à vous de devoir de vous demander des compléments ailleurs. Si on peut vous aider, on vous répondra en perso aussi, mais on ne connaît pas tout. Hein, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après, comme d'habitude, pour cette démonstration qui m'a plu. Thank you.
Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, logiciel Switch pour convertir des fichiers. Voilà, je vous retrouve avec plaisir pour faire cette vidéo, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce logiciel que j'ai découvert grâce à un ami pour remplacer Format Factory qui me pose problème pour convertir tout ce qui est vidéo en MP3, puisque moi j'écoute que du MP3, ne voyons pas clair, et la vidéo m'intéressant pas du tout, et prenant de la place sur mon disque dur, pour rien du tout. Voilà, donc il me fallait un logiciel qui fonctionne, je l'ai trouvé grâce à cet ami, je l'ai testé, donc là... Je peux vous dire que je l'ai acheté, hein. Je ne vais pas vous cacher les choses, mais moi je vous en parle parce qu'il y a deux versions. Il y a la version gratuite, où avec la version gratuite, on peut convertir 5 fichiers en même temps, ce qui est quand même un de plus que Format Factory actuellement, parce qu'il n'en fait que 4. Enfin, moi, ma version qui était la 5.9, je ne sais plus combien, convertissait que 4 fichiers. Là, ça en fait 5 en gratuit. Et j'ai pris la payante, où là, je peux convertir entre 15 et 17 fichiers en même temps, ce qui est quand même plus avantageux pour moi de ce côté-là. De plus, Switch, c'est pas comme dans Format Factory où les dernières versions deviennent vraiment pas terribles au niveau de l'accessibilité pour fignoler le travail et pour que ça fonctionne. Je me suis battu avec. Deuxièmement, quand vous avez installé Format Factory maintenant, j'ai eu le cas pour mettre mon Ultrabook là récemment, et bien tout simplement qu'il vous installe des malwares avec. Il y a des petits logiciels, je crois il y a ça, les trucs en plus, mais il y a aussi des malwares que m'a bloqué l'antivirus Avast Security, puisqu'il me les a signalés, et il me les a carrément éjectés, donc pour dire qu'ils étaient dangereux, et ce qui fait que je pouvais pas installer Format Factory. Donc grâce à cet ami qui m'a parlé de Switch, je l'ai installé, j'ai pu l'installer sans du tout de problème, Avast Security l'a accepté sans du tout de problème, il m'a pas trouvé malware, il m'a rien trouvé du tout, parce que j'ai analysé après le disque dur pour voir exactement ce qu'il m'avait fait quand même derrière, et je peux vous dire que ça tourne impeccable. Donc j'avais envie de vous en parler. Donc la version gratuite sans fichier. Donc je suis dans mon dossier que je vais convertir en MP3, c'est de la vidéo. Exclus dossier dans téléchargement Windows 10. MP4, exclusif nouveau site de sticker MP4, les marque-pages de Firefox. Vous avez trois fichiers en MP4. Donc tout simplement, je vais vous les convertir tout de suite. On va faire donc CTRL A. Sélectionner dossier dans téléchargement Windows 10. MP4 exclusif nouveau site de sticker. Voilà, et je fais menu constituel. Maintenant, je descends. Application. Sur Switch. Ouvrir pour convertir avec, stabiliser la, convertir OCR, OCR, lire sur la, analyser, envoyer, les, envoyer, partager, accorder la, ajouter la, compresser, compresser, envoyer, couper, oh, copier, créer, supprimer, renommer, copier, ouvrir, ajouter au projet vidéo. Voilà, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, vous voulez. Convertir avec Prism, convertisseur, voilà. Stabiliser la vie, convertir avec Switch, convertisseur. Voilà, il était beaucoup plus bas, j'aurais dû aller plus bas. Voilà, donc à savoir qu'il s'installe normalement comme un logiciel classique. Maintenant, on va vous cliquer sur le point .exe et vous l'installez très facilement et rapidement. Il n'y a aucun problème pour cela. C'est pour ça que je ne sais pas par une installation. On fait entrer dessus. Entrée, fermeture des menus. Ceci info vidéo à mettre sur la chaîne YouTube n'est pas encore déposé. Zone de liste multi-sélection d'un élément. Les marque-pages de Firefox. MP4 coché 3 sur 3. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Boîte de dialogue Switch plus par NCH software logiciel sous licence. Bouton dossier destination pour l'activer. Barre espace. Boîte de dialogue chargement de la playlist. Chargement de fichiers les marque-pages de Firefox. MP4 veuillez patienter. Bouton annuler pour l'activer. Barre espace. Bouton dossier destination pour l'activer. Barre espace. Boîte de dialogue chargement de la playlist. Bouton dossier destination. Bouton dossier destination pour l'activer. Barre espace. Boîte de dialogue ajout des fichiers en cours. Chargement de fichiers exclusifs. Nouveau site de sticker. MP4 veuillez patienter. Bouton dossier destination. Là, pour activer. Barre espace. Il est en train de charger directement pour que je puisse convertir. Voilà, c'est fini. Alors pourquoi il a annoncé playlist? C'est tout simplement que j'aurais pris un seul fichier. J'aurais fait tab jusqu'à convertir. Et là, comme j'ai pris, j'ai sélectionné trois fichiers par CTRL A et que vraiment j'ai sélectionné tous les trois. Dans ce cas-là, il vous fait une playlist de façon à tout regrouper ensemble et vous pouvez donc contrôler par vous-même. Que ça a été fait
en l'écoutant et vous avez après prêt à faire le travail pour convertir. Donc là, on fait des tables. Zone de liste déroulante format sorti. MP3, 23 sur 35. Je vais remonter au premier et je vais vous faire descendre. 1 sur 35. Ce sont les versions d'extension que vous pouvez avoir. Act 3, 2 sur 35. Add 3 sur 35. F 4 sur 35. F 5 sur 35. F 6 sur 35. A 7 sur 35. A 8 sur 35. O 9 sur 35. Cap avec encodage à lac 10 sur 35. DA 11 sur 35. DCT 12 sur 35. DTS 13 sur 35. FLAC Free Lossless Audio Codec 14 sur 35. VSM 15 sur 35. M3U 16 sur 35. M4A à la CAC Courier. DSI 17 sur 35, M4B 18 sur 35, M4R 19 sur 35, MOV 20 sur 35, MP1 21 sur 35, MP2 22 sur 35, MP3 23 sur 35, MPC 24 sur 35, OB 25 sur 35, Opus 26 sur 35, TLS 27 sur 35, OATPCM G711, etc. 28 sur 35, RSS 29 sur 35, STX 30 sur 35, TXT reconnaissance locale 31 sur Vox 32 sur 35, WAV 33 sur 35, MA 34 sur 35, WPL 35 sur 35, RSS 29 sur 35, Opus 26 sur 35, MPC 24 sur 35, MP3 23 sur 35. On est là, donc on fait table. Bouton option pour l'activer, bouton convertir. Et maintenant, j'ai fait table, j'arrive sur convertir, je suis rentré, ou barre d'espace. Boîte de dialogue conversion du fichier audio, traitement de fichier de traitement 1, 2, 3, dossier dans téléchargement. 1, 2, 3, normal, j'en ai sélectionné 3 pour vous. Donc, il est en train de convertir les trois fichiers 5%. En même temps. Il y a 5 qui progressent. Voilà. On en aurait sélectionné 2. Il aurait fait les 2 en même temps. Il vous aurait annoncé 1 sur 2 et 9%. 1 sur 5. Bon, voilà. Et 1, bien sûr, il aurait sélectionné un fichier simplement. Voilà. Donc, on va laisser aller jusqu'au bout. Donc, à noter qu'on peut donc en faire 5 en gratuit. Et entre 15 et 17, normalement, enfin, j'espère pour vous, moi c'est le cas, entre 15 et 17 en prenant le payant. Alors, on va me demander le prix, combien ça coûte le payant, mais vous retrouverez ça sur le site de, directement de Switch, 21%. Que vous trouverez très facilement en tapant donc dans la barre de recherche de Google, de votre navigateur préféré, par exemple, Switch, SWITCH, logiciel de conversion, vous allez trouver le site tout de suite. Je m'excuse, je n'ai pas pensé à prendre le lien pour vous le dire, mais vous allez le trouver facilement. Une fois dedans, vous allez voir le prix. Hein, vous avez tous les renseignements faciles. Voilà. Je vous conseille donc de télécharger déjà la balle gratuite, de bien le tester pour voir ce que ça donne. Et après, si vous lâchez, c'est vous qui voyez. Hein, nous, on ne sera pas tous responsables sur le fait, hein, de toute façon. Moi, personnellement, je l'ai fait, je suis content. Mais bon, chacun a ses logiciels, hein, ce qu'il préfère le mieux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc moi, je vais joindre. Switch copyright NCH software, voyez conversion du fichier 2 sur 3, les marques de Firefox. Donc j'ai joint Cursor PC à Jaws de façon à pouvoir lire la fenêtre comme il faut. Sinon, il suffisait que je fasse Alt Tab et Alt Tab pour revenir dessus. Mais bon, je préférais faire comme ça. Ça me permet de vous guetter en même temps. Conversion du fichier audio boîte de dialogue. Ah, voyez. Conversion du fichier 2 sur 3, les marques de Firefox. Mais ça parle de partout, c'est pas compliqué de toute façon. Donc, dessus, je crois que ça vaut, parce que je l'ai acheté comme ça, vite fait, ça s'est tellement bien passé, entre 25 et 35 euros, je ne sais plus le prix exact, vous verrez pas, ou même si vous l'achetez. À noter, c'est très important, que c'est une seule licence. Donc là, je l'ai installé sur Ultrabook, j'ai payé le prix, et je peux pas l'installer sur un autre PC, sur une autre machine. Ce n'est pas possible, il faut racheter une nouvelle licence pour mettre sur une autre machine, c'est pas comme d'autres logiciels. Voilà, c'est à signaler. Et bien sûr, si vous perdez la licence sur votre machine, je ne sais pas si vous pouvez la récupérer gratuitement, cette licence. Je n'en sais rien du tout actuellement. Donc, je ne peux pas vous dire de bêtises et je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Je vous les juge par vous-même. Je suis juste là pour donner les informations à ce sujet. Donc, c'est en train de se faire normalement. Conversion du fichier audio boîte de dialogue. Traitement de fichier de traitement 3 de 3 exclusifs. Voilà, nous sommes donc sur la troisième vidéo. Hein, je vais y tourner exprès de ce côté-là pour que vous puissiez voir par vous-même où on en est directement. Et donc, après, on va donc contrôler ça de très près. D'accord. Donc, maintenant, on ne doit pas être bien loin quand même. Le final. Titre 6. Conversion du fichier audio boîte de dialogue. Alors. Conversion du fichier 3 sur 3 exclusif nouveau site de speaker. 3 sur 3. Titre 7. Alors. Titre 8. On va donc voir exactement. Ceci est pour vidéo app document. Jaws dans Switch plus par NCH software logiciel sous licence. Bouton annulé pour l'activer, barre espace 84%. Ah ouais, on arrive bientôt. C'est un peu long, mais je préfère vous laisser défiler comme ça, c'est plus simple. De toute façon, ça se passe bien. 90%. On est bientôt au bout.
92%. Titre 11. Une ligne qui le déclenche, je pense. 95%. Allez, encore 5%. 98%. Titre 12. 100%. Voilà. 100%. Donc là, c'est normal. 100%. 100%. Bah, il y a eu un bip, c'est logique aussi. Donc, vous voyez, il est en train vraiment de convertir en MP3 directement. Voilà. Donc, je pense que c'est fini. Zone de liste déroulante format sorti. C'est fini. Donc, il a complètement converti. Je vous explique. Il y a eu un bip qui s'est fait. C'est, bah, il vous annonce directement que c'est fini. Alors, il est un peu léger. Je ne sais pas si on peut monter le bruit. Mais j'écoutais en même temps. Donc, j'ai entendu quand même le bip. Ça vous prévient automatiquement que c'est fini. Mais attention. Quand vous installez Switch, il faut, dans les options, aller cocher où vous voulez un bip. Sinon, c'est pas coché et vous n'en avez pas du tout. Donc, je suis dans le dossier. Dossier dans téléchargement Windows 10. MP3. Voilà, je descends avec les flèches. Dossier dans téléchargement Windows 10. MP4, exclusif nouveau site de sticker. MP3, exclusif nouveau site de sticker. MP4, les marque-pages de Firefox. Donc, on va écouter la première vidéo. Dossier dans téléchargement Windows 10. MP3. Pour voir si c'est bien converti, que ça fonctionne, c'est ça surtout. Salut à vous tous, voilà, bienvenue sur ce qui en sort, je vais m'en sortir complètement. Voilà. Donc, à noter là aussi, et c'est à vous de choisir les options. Moi, j'ai préféré laisser les vidéos converties en MP3 dans le dossier source où il y avait les originaux en vidéo. Pour moi, c'est plus pratique. Mais vous pouvez dans les options de switch, et on va y aller après dans sur le logiciel directement, vous pouvez très bien dire moi je veux que ça soit mis dans un autre dossier et là il faut vraiment le parcourir pour trouver le dossier que vous voulez ou le créer de façon que tout rentre dedans. Vous avez aussi une troisième possibilité, vous pouvez aussi effacer les fichiers originaux une fois que c'est converti, ça va être effacé automatiquement et là moi j'ai pas coché parce que j'ai pas envie de perdre mes fichiers tout simplement. Voilà. Donc on va aller sur le bureau. Le bon gars, c'est alors ça c'est Wikipédia que j'ai trouvé pour moi personnellement, mais excusez-moi, c'est ma petite salade. Vue de liste, switch convertisseur de fichiers audio cochés. Je suis bien sur Twitch, je rentre dans le logiciel maintenant pour que vous puissiez voir par vous-même. Switch plus par NCH software logiciel sous licence. Je vais accélérer un petit peu, je ne vais pas tout vous faire. Barre espace. Voilà, alt. Ajouter le SIGS, alt, ajouter un dossier. C'est ce qu'il y a dedans, hein. Tout parle de partout, j'ose 2019 et tout part avec NVIDIA aussi. Ajouter les prises de CD audio F, ajouter les fichiers de DVD vidéo F6, A, ajouter des fichiers vidéo A, ajouter des fichiers du service Clou A, supprimer sucre non disponible S, supprimer tous les fichiers alt non disponible S, supprimer les fichiers non pris en charge contrôle non disponible S, sélectionner tous les fichiers contrôle A non disponible S, lecture espace non disponible A, lancer L, option contrôle O, inscrire le logiciel non disponible, quitter alt F4, ajouter le SIGS, alt A, bon, droite, convertir droite, le fichier S, convertir le flux de données audio contrôle N, C, convertir en playlist non disponible C, convertir et envoyer les fichiers non disponibles. C'est normal, c'est pas disponible, il n'y a pas de fichier dedans. Convertir et charger sur YouTube non disponible. C'est convertir et charger sur le club non disponible. Ouvrir le dossier d'entrée non disponible. O. Ouvrir le dossier de destination. O. Vous voyez, il y a même à côté vraiment les raccourcis pour repousser lancer directement. Encodeur, alto, E. Convertir les fichiers F3, c'est convertir le flux de données audio control N, c'est convertir en playlist non disponible, bon, c'est éditer l'audio droit, modifier les paramètres de l'encodeur alto, M, ouvrir les options de volume control B, O, modifier les balises audio control T non disponible, M, modifier les balises audio des fichiers convertis non disponible, éditer l'audio droit, F8 non disponible. Bon, allez, on va arrêter là parce que je connais pas le moment, mais je vais faire les options. Éditer alt F, inscrire l'option control voilà. O, entrer sur option, fermeture des menus, et là je fais des tapes. Édition commentaire, édition droit d'auteur, tapez le texte, édition comme départ. Switch plus copyright NCH software. Édition encodeur. Tapez le texte. Édition producteur. Tapez le texte. Case à cocher si la valise de titre est vide. Utilisez le bouton OK pour l'activer. Barre espace. Bouton N pour l'activer. Onglet fichier. Appuyez sur contrôle. Onglet conversion. Appuyez sur contrôle. Bouton radio format convertir quand même coché. 1 sur case à cocher format de pas recompresser si la source est un MP3 avec un taux de compression égal ou supérieur non coché. Pour cocher. Barre espace. Case à cocher format supprimer le fichier source après une conversion réussie non coché. Pour cocher. Barre espace. Case à cocher format mémoriser les paramètres pour lire les fichiers applicables uniquement pour les formats. OE. Vox non coché. Bouton radio erreur. Ignorer l'erreur et continuer la conversion d'autres fichiers cochés. 2 sur 3. Case à cocher s'il y a plusieurs pistes audio dans un fichier vidéo. Sélectionnez celle avec laquelle travailler non coché. Pour cocher. Bouton OK. Pour l'activer. Bouton N. Onglet conversion. Appuyez. Onglet dénomination. Appuyez. Bouton radio format du nom de fichier des fichiers convertis identiques à la source cochée. 1 sur 4. Moi, appuyez sur ça, hein. C'est coché d'origine. Hein. Tout ce qui est coché là, c'est d'origine. C'est simplement moi coché en plus les bips.
cas à cocher option de piste de CD, accéder à la base de données pour les détails du CD. Si erreur, vous devrez désactiver cette option. Cocher pour décocher, barre espace. Moi, ça, je décoche parce qu'il y a une erreur que je comprends pas, mais de toute façon, je m'en sors. Bouton OK pour l'activer, ah. Barre espace. Donc, sinon. Onglet dénomination, appuyez sur CTRL, onglet autre, appuyez sur case à cocher, exécuter en arrière-plan, exécute, zone de liste déroulante, lecture audio, périphérique audio principal, 1 sur 2, case à cocher, menu contextuel, ajouter switch au menu contextuel de l'explorateur Windows, coché, pour décocher, case à cocher, confirmation, afficher une liste de confirmation avant de supprimer des fichiers de la liste, coché, pour décocher, case à cocher, zone de sélection numérique et d'édition, confirmation, 500, sélecteur rotatif, confirmation, utiliser le case à cocher, fichier, dupliquer, empêcher le case à cocher, notification de fin, émettre un signal sonore à la fin de la conversion. Cocher pour décocher. Case à cocher, notification de fin frère, clignoter l'icône dans la barre des tâches à la fin de la conversion non cocher. Bouton OK pour l'activer. Bouton aide pour l'activer. Onglet autre, appuyez sur CTRL. Onglet clic droit, appuyez sur CTRL. Clic droit page, convertir les fichiers en. Case à cocher, personnaliser vos cases à cocher, personnaliser vos options de menu contextuel de l'explorateur Windows, options de menu contextuel de non cocher. Case à cocher, personnaliser vos options de menu contextuel de l'explorateur Windows, options de menu contextuel 3 non cocher. Bouton OK pour l'activer. Bouton aide pour l'onglet clic droit, appuyez sur CTRL. Onglet fichier, appuyez sur CTRL. Bouton radio remplacer, demander quoi faire cocher. 1 sur édition commentaire. Édition droit d'auteur. Édition code départ. Édition encodeur. Édition producteur. Fais des tables. Case à cocher si la balise de titre est vide. Bouton OK pour l'activer. Barre entrée. Okay. Bouton dossier destination pour l'activer. Alors on revient sur la page d'accueil, c'est normal. Je quitte Alt ça 4, parce que je vais vous faire maintenant lire autre chose. Windows D. Attends, plus de liste D. Depuis logiciel de capture D. Document coché. 11 sur S. Switch convertisseur de fichier audio coché. D. Depuis logiciel de capture D. Document coché. Entrée. J'arrive pas à lancer. Non disponible. Express Scribe. S. Alors, on va retourner dessus. Vue de liste, document coché, entrée. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec l'ultrabook en ce moment. Document, zone de liste, S, signe à taper en S, site de ticket 2020 S, switch sur le site, entrée. Switch sur le site, c'est pas marrant quand on est vraiment mal chaussé dans la vie. Début du switch logiciel convertisseur de fichiers. Allez, je vais vous faire, maintenant nous sommes donc sur la page d'accueil du site de Switch directement. Et je vous fais lire cette page que j'ai enregistrée dans le bloc-notes, tout simplement, que vous allez pouvoir voir par vous-même ce qui fait comme extension, c'est important pour vous. Donc je lance la synthèse. Switch logiciel convertisseur de fichiers audio convertissez et encodez les fichiers audio rapides et fiables conversion rapide de fichiers audio conversion par l'eau convertir plusieurs fichiers à la fois format pris en charge tous les formats populaires normalisés l'audio normalisation automatique du son téléchargé pour Windows Switch L&D. Convertisseur de fichiers audio multiformat le plus stable et le plus complet du marché et il est très facile à utiliser. Utilisez-le pour convertir M4 en MP3, MP3 en roi de bien d'autres formats. Convertisseur audio universel avec prise en charge de tous les formats populaires. Convertissez ou compressez des fichiers audio en quelques minutes. Conversion audio par l'eau pour convertir simultanément de nombreux fichiers. Extraction de l'audio de tout fichier multimédia dont les fichiers vidéo. Télécharger Switch convertisseur de fichiers audio. Télécharger Switch convertisseur audio pour Windows format de fichiers audio pris en charge WAV, MP3, WMA, M4A, OGG, MI, FLAC, AMR, AAC, OF, PRO, DVF, VOX, DSS et plusieurs autres formats audio. Version gratuite. Une version gratuite de Switch est disponible pour utilisation non commerciale. Le convertisseur audio gratuit est bien déjà. Les formats de fichiers audio les plus populaires. Téléchargez la version gratuite ici. Aucun abonnement requis. Fonctionnalité de Switch convertisseur de fichiers audio. Conversion parmi 75 formats de fichiers audio. Préservation des balises de musique pour les formats pris en charge MP3, WAV, WMA, FLAC et OGG. Importation et conversion d'une liste de lecture M3U et PLS. Extraction de l'audio de DVD et de fichiers vidéo AVI, MOV, MPEG. Accès à une base de données en ligne pour ajouter des informations sur un morceau. Écoute des pistes avant la conversion par l'eau pour convertir simultanément de nombreux fichiers audio. Conversion de plusieurs formats de fichiers en même temps. Utiliser le menu contextuel pour convertir les fichiers audio. Directement à partir de Windows Explorer, normalisation automatique de l'audio pendant la conversion, prise en charge de vitesse de transmission constante ou variable par l'encodeur MP3, prise en charge d'une plage de taux d'échantillonnage par l'encodeur WAV et le convertisseur FLAC, utilisation en tant que plugin de ligne de commande. Pour l'automatisation avec des logiciels pour convertir ou compresser les fichiers audio, égalisation audio pendant la conversion des fichiers, compression de plage dynamique pour limiter la variance dans le volume d'un fichier audio, convertissez parmi tous les formats audio populaires, utilisez un des meilleurs convertisseurs audio sur le marché pour une conversion de qualité supérieure aussi rapide que l'éclair. Convertir de 3GA, 3GP, AAC, AAC 3, AAC, RCD, EF, F, AIFC, AMR, APOPO, ASF, ABI, CAF, CDA, DAR, DCT, DS2, DSS, DTS, DVF, FLAC, FLV, GSM, M2A, M3U, M4A, M4B, M4R, MI, MKA, MKB, MO, MOV, MP1, MP2, MP3, MP4. MPA, MPC, MPOG, MPGA, MPG, MPOG, MSV, OGA, OGG, Opus, TLS, QCP, RAR, RO, EUC, RSS, SHN, SPX, VOB, VOX, VOX, WAV, WMA, WMV, WPL, WV, ZAB, ZIP convertir vers AAC, AAC 3, FF, AIFC, AMR, APO, CAF, CDA, FLAC, GSM, M3U, M4A, M4B, M4R, MOV, MP1, MP2, MP3, MPC, OGG, Opus, TLS, RSS, STX, TXT, VOX, WAV, WMA, WPL.
Et eh ben voilà, il en fait quand même pas mal des extensions pour convertir. Je crois que c'est un logiciel qu'il faut vraiment se pencher dessus, ne serait-ce qu'en le testant par vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir la différence avec Format Factory ou avec un autre logiciel de conversion. Hein, ça dépend ce que vous avez entre les mains actuellement. Personnellement, après une semaine d'utilisation, j'en suis tellement content que je vais le mettre donc sur ma machine principale quand elle reviendra au niveau du son de Windows 10. Donc ça sera la version gratuite pour le sûr dessus et ça remplacera Format Factory. Et dès que je pourrai, ou même tout de suite, j'achèterai vraiment le logiciel à nouveau, parce que moi, j'en suis tellement content que je vais l'adopter entièrement. Bien sûr, je conseille simplement de le tester. Je suis pas là pour vous faire vendre un produit du tout, hein. C'est pas mon but du tout, du tout, hein, qu'on se le dise bien à nouveau, parce que souvent on me le reproche. Non, on n'est pas là pour ça. C'est de l'information que je pense utile en plus de ça, surtout cette vidéo. Je pense que vous êtes nombreux à chercher des solutions par rapport à Format Factory qui vous pose problème. Ben, vous en avez une là et je peux vous dire qu'il y a d'autres solutions dans le logiciel que j'ai pas testé. Je sais même pas si je vais m'en servir, j'en sais rien du tout. Je vous conseille donc d'aller sur le disque dur, donc disque C, sur la racine disque C. Alors chez moi ça s'appelle utilisateur. Entrez dans le dossier utilisateur, peut-être que vous ça va être user ou autre chose, j'en sais rien du tout. Vous rentrez dedans et là je sais plus où exactement vous avez le dossier switch dedans que vous allez trouver, et dedans vous trouvez tout ce qui fait vraiment dedans. Hein, vous pouvez mettre vraiment plein de choses dedans. Il y a plusieurs sélections et j'ai pas encore testé, même pour moi. Donc ben, je vous laisse chercher par vous-même parce que mon but c'était simplement vous montrer qu'on pouvait convertir facilement de la vidéo en MP3, puisque nous c'est notre tasse de thé vraiment tous les jours, je pense sincèrement. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Hein, c'est fait avec cœur comme à chaque fois, je le dis, mais c'est la vérité. Et j'espère franchement que ceci va vous faire plaisir, que ça va vous aider et que vous pourrez faire plein de choses avec. Concernant le Mac, on me demande où on est, mais pour l'instant, je suis à cause de ma machine principale, je touche pas trop à mon Mac, parce que je bouscule pas trop mon Ultrabook. Et travailler sur deux machines en même temps, c'est pas évident pour moi. Mais je ne laisse pas tomber le Mac du tout, au contraire, hein, il n'y a pas du tout de souci. Voilà. Quant à Speakeasy, oui, enfin Speakeasy, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos, dès que je pourrai en faire aussi, parce que pour l'instant, je suis un peu coincé par rapport à l'Ultrabook qui, lui, n'accepte pas tout. Et face à certaines situations d'enregistrement, parfois, je suis confronté à des problèmes. Voilà, c'est fini. Je vous retrouve la prochaine fois avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée à tous. Salut! C'est fini, les amis! Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.